Bonjour à tous, une petite vidéo pour présenter nos attentes de fin 2021. Début 2022, ouais, parce que, ça fait pas mal de gens ont été repoussés, ouais. Donc du coup, bah, on va commencer par le jeu qui est présent devant, ouais. Que tu viens d'acheter. Vampire Rival. Alors oui, on l'attend plus parce qu'il est là, du coup. Ouais, il vient d'arriver. Mais vu que c'est un LCG, donc un jeu de cartes évolutif, on attend vraiment de voir ce qui arrive. Parce que la boîte de base, comme d'hab, ne suffit jamais à elle-même. Mais les prémices sont vraiment très cool. Ça fait longtemps que j'attendais un jeu compétitif et non pas coopératif en jeu de cartes. Parce que Marvel Champion et Arkham sont très bien, mais coopératifs. Là, c'est en fin de l'affrontement. Les règles sont un peu dégueulasses, soyons honnêtes. Mais le jeu est excellent et vraiment, ouais, j'ai hâte de le pousser un peu. Après, sur les règles, je m'attendais à pire. Je les ai lues hier soir avant de me coucher. Du coup, j'avais que ça à faire. Et je trouve que les exemples, du coup, ouais, heureusement, il y a pas mal d'exemples. Ah, mais ça manque un glossaire de définition des mots exacts. Bah, alors, le glossaire, il est au tout début, mais c'est vrai qu'il est assez court. Voilà, il manque des choses. Quoi. En fait, c'est que les choses sont placées bizarrement, en fait. Donc voilà, donc du coup, ouais, clairement, j'attends de voir les extensions qui vont arriver parce que c'est clairement ça qui donnera de la vie ou pas au jeu. Ouais. Et voir aussi si le jeu va prendre. Ouais. Parce qu'un jeu de cartes, clairement, seul, c'est beaucoup moins bien. Mais du coup, tu as joué un peu. Ouais, j'en ai fait 3-4 parties. Ouais. Déjà, donc vraiment. T'en penses quoi pour l'instant? Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Les règles sont pas si compliquées. Après, il y a beaucoup de texte sur les cartes. Ouais. Donc clairement, si vous êtes genre anglophobe, n'y allez pas en anglais. Ouais. Parce que ouais, voilà, pour le coup, le jeu est vraiment beaucoup textuel. Il y a des idées vraiment cool. Mais ça reprend un peu les mécaniques de l'ancien vampire qui marchait déjà très bien. Qu'ils ont simplifié, raccourci. Donc voilà, c'est pour le coup, ouais, c'est normalement si tout se passe comme prévu, c'est mon jeu 2022 où j'en fais 300 dans l'année, quoi. Ok. Voilà, donc si tout va bien. Parce que moi, j'ai fait une petite partie du coup avec toi hier. Donc une partie, c'est très dur pour juger. Oui. Surtout que les decks de base, c'est toujours pareil. Ils sont nuls. Voilà, il y a toujours des choses à améliorer. Et puis le deck building du jeu est vraiment pas évident pour le coup, parce qu'a priori tu peux quand même mixer les vampires, mais tu peux pas jouer des cartes si t'as pas un vampire en jeu. Et puis le fait que tu y joues à 2, 3 ou 4, ouais. Ton deck n'est pas pareil dans les conditions, donc je pense limite qu'il faut deux decks différents, un pour le duel et un pour le jeu multi. Du coup, c'est vrai que les règles sont très sympas, les mécaniques sont très sympas, mais c'est très dur à évaluer comme ça. Bon, en même temps, c'est plutôt signe en général. C'est un peu ce qui me botte, c'est de dire, ok, ça va être chaud, quoi. Mais ouais, je sais pas du tout quoi en penser pour l'instant. Après, il y a des mécaniques vraiment cool, voilà. À voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'en LCG, de toute façon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis moi, je kiffe bien l'univers, même s'il y a des illustrations qui sont un peu douteuses, quoi. Discutable. Voilà. Et puis toute la mécanique de attaquer des gens dans la rue et tout, ça, je trouve ça vraiment. Il y a vraiment des très bonnes idées. Faut juste maintenant voir comment ça va évoluer, quoi. Carrément. Et comment le suivi éditeur et tout, quoi. Ça, malheureusement, on l'espère. Voilà, qu'est-ce que t'as vu toi sur Essen que... Alors moi je suis pas allé à Essen, mais du coup j'ai pu jouer à Golem des gens bien intentionnés ont ramené d'Essen justement et que j'ai pu un peu voler. du coup c'est le nouveau Luciani. Donc la team barrage, Marco Polo, Lorenzo, tout ça. On aime bien ces gens-là. Ouais. Généralement. Et alors du coup c'est quasi, il y a deux designers sur trois qui sont des designers de Grand Austria Hotel. Okay. Donc il y a pas mal de mécaniques communes, notamment les dés sont remplacés par des billes de couleur et plus on a une poste d'ouvrier avec un rabbin, donc avec des tuiles d'action qui bougent à chaque tour. Okay, c'est cool. Donc en fait il n'y a pas énormément d'interactions non plus comme dans Grand Austria, mais il y a une variabilité du jeu qui est hyper intéressante entre les tuiles d'action golem qui changent à chaque partie, les tuiles d'action des rabbins. Moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je trouve que le jeu est plus dur avec toi que Grand Austria, parce que Grand Austria, je sais pas si t'as joué, toi. Alors, oui, moi il y a toujours un truc qui me fait peur avec Grand Austria, c'est ce côté hors de jeu, tu sais, ça fait un vrai 4-2-1. Ah oui, non, mais ça se joue qu'à 2 ou 3, à 4, c'est horrible. Moi je joue qu'à 2 ou 3, mais du coup, est-ce que tu retrouves ce phénomène de downtime absolument atroce? Pas du tout. Quand tu dis Grand Austria, c'est pas ce qui me fait flipper. Ouais, carrément. Moi ce qui me faisait plus flipper, c'est que Grand Austria, en fait, plus t'avances dans les rounds, plus il est ouvert et à la fin tu combottes dans tous les sens. C'est aussi pour ça que le downtime a été lent, parce que des fois un joueur pouvait jouer 5 minutes en enchaînant des combos. Là, le jeu est quand même, il y a plus de choses à contrôler, notamment les golems. Du coup, c'est pas mal thématiquement. Okay. Les golems, plus ils vont loin, plus il faut payer de la connaissance pour les contrôler, parce qu'on a des petits assistants qui doivent les suivre, qui génèrent des revenus eux-mêmes, et les golems permettent de générer des actions. Donc, pas mal de mécaniques imbriquées. Il y a trois axes, il y a l'alchimie, la connaissance avec les livres et les golems eux-mêmes. Et avec des mécaniques de points de victoire liées à ces trois modules, on va dire. Des objectifs en début de partie qui permettent un peu de te spécialiser, de ne pas être totalement dépassé en disant « mais je vais aller où ?» Tout a l'air cool. T'es pas si ouvert que ça non plus, t'as un peu des trucs qui te guident un peu pour démarrer. Ok, c'est cool. Mais du coup, c'est intelligemment fait. Moi, j'ai fait 5 parties.
Donc encore une fois, on est loin des 50 ou quoi, donc impossible de dire pour l'instant s'il va durer aussi longtemps. Ouais, déjà, mais si j'ai envie de le résumer, pour moi, c'est vraiment Gran Austria en mieux, en fait. Ok, en termes de matos, parce que du coup, le jeu vaut quand même son prix. Ouais, c'est vrai, il a 80 balles, je crois. Je sais pas si on dit une bêtise, mais il me semble l'avoir vu sur le site en 3 fins, ouais. Donc du coup, en termes de matos, ça donne quoi? Il y en a partout? Bah ouais, alors il est très long à installer, il prend une place de fou. Ami parisien, désolé. Bah, je suis à Paris, donc du coup, il prend absolument toute ma table dépliée et ça prend une place de fou, mais... après, maintenant, ça devient dur de juger le prix du matos. Enfin, ouais, bah, moi, de toute façon, j'aime pas... Les prix vont augmenter, ouais. Enfin, c'est très puis moi, j'aime pas juger le prix du matos, je préfère juger le prix du temps de développement. Ah bah, clairement. Enfin, je préfère payer un jeu 80€ auquel je vais jouer pendant 3 ans qu'un jeu à 40 auquel je vais jouer deux fois, en fait. Donc, j'ai une perception un peu différente sur le prix des jeux, quoi, tu vois. Je suis assez raccord là-dessus, quoi. Comme je dis, mon bras, mon projet Gaïa, ça coûtait 20€ de plus. Bah ouais, mais après c'est dur en amont de savoir tu vois. C'est ça qui est compliqué, donc c'est vrai que bon. Le seul petit dommage c'est que du coup il devait sortir pour Noël, et avec le retard il sortira en 2022. Ouais, ça c'est. Du coup, pas de golem sous le sapin. Du coup même moi je vais pas pouvoir l'avoir parce que dès que je vais le rendre à Alice, je l'aurai plus quoi. Du coup ouais, pareil, je suis un peu deg parce que je comptais mettre la main dessus pour Noël. Non, et c'est marrant parce qu'à SN, j'ai pas vu énormément de retours dithyrambiques, en tout cas sur les groupes français et tout, alors que vraiment. Je trouve vraiment qu'il est très bon quand on aime la team Luciani en plus. Voilà. Moi pour l'instant, je suis hyper enthousiaste sur le jeu. Normalement, je me la main dessus demain pour l'essayer, donc je te dirai. Ok. Je te dirai ça. Toi, un autre jeu. Alors, j'avais vu, et uniquement au physique, Ark Nova. Ouais. Parce que la couve est complètement folle, tu vois. Genre, ouais, la gestion de zoo. Le thème me branche un peu moins, mais ça, à l'arrière, bon, c'est un autre problème. Mais ouais, pour le coup, j'étais assez chaud et les premiers tours ont pas l'air ouf. Mais ça dépend qui. Non, mais moi, du coup, j'ai fait une partie, encore une fois, une partie, c'est compliqué. J'ai pas joué dans la meilleure config, 4, c'est vraiment trop. Ouais, c'est un jeu à deux, a priori, de ce que j'ai. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une problématique, voilà, en tout cas pour moi, c'est une problématique, c'est qu'il y a très peu d'interactions. Et il y a un plateau solitaire. Le plateau solitaire de construction solitaire, voilà, a tendance à faire que t'es hyper concentré sur ton propre puzzle et pas trop regarder ce qui se passe autour. D'ailleurs, Golem, c'est un peu la même chose. Hein. J'ai pas très envie d'y jouer à 4 non plus. Ouais, parce que les autres joueurs n'apportent pas grand-chose. Ouais, après, il y a quand même une gestion un peu du plateau, mais voilà. Et du coup, Ark Nova, c'est vraiment son plateau. Il y a une rivière de cartes au milieu et il y a des objectifs. Donc, il y a un petit peu de compétition là-dessus. Le problème, c'est que la rivière de cartes, en fait, est très fermée au début de partie. Parce qu'en fait, tu n'as accès qu'à la première carte et tu dois monter ton niveau de connaissance, je crois, pour pouvoir acheter les cartes d'après. Donc, en vrai, ouais, en début de partie, puis... Il y a beaucoup de cartes, encore une fois, donc avant de les connaître... Bon, ça, c'est pas un mal en soi. Non, non. Ça permet un peu d'y rejouer, mais bon... Mais du coup, cette rivière de cartes sur les premières parties, voilà, c'est encore pire qu'une draft, parce que selon comment t'es placé sur la table, tu vas pas regarder la rivière en permanence. Ouais. La draft, quand t'es à Terraform Mars, t'es concentré sur tes 4 cartes, donc t'as le temps de les lire, tu vois. Même si tu comprends pas trop ce que tu fais, t'as quand même une phase d'action spécifique à consulter les cartes. Alors que là, quand t'as une rivière, t'as pas de phase d'action spécifique à ça. Donc après, voilà, pas mal de mécaniques sympas, la gestion de zoo, moi je trouve ça cool. Il y a vraiment une mécanique de piste aussi entre la conservation animale, je crois, et les tickets que tu vends, où tu dois rejoindre les pistes et ça enclenche une fin de partie, je trouve ça assez sympa. Un peu la rageuse de Gange, quoi. Ouais, c'est ça. De pistes et quand elles se croisent, ok. Exactement. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est plutôt cool, ça déclenche des bonus à chaque fois. Pareil, il y a assez peu de compétition sur ces bonus, parce qu'en général, quand tu franchis, les bonus sont un peu pour tout le monde. On sent qu'ils ont voulu rajouter de l'interaction après coup, mais que le cœur du jeu n'est pas du tout prévu là-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je teste tout bientôt, et mais j'y vais un peu à reculons. Ah ouais. Mais je pense vraiment qu'à deux, ça sera plus son jeu pour moi. Je le teste en fait. À deux, moi, a priori, demain. Ouais. Donc, okay. Tu me diras. On fera un petit update si jamais ça change. Après, le but n'est pas complètement de vous déchauffer, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont adoré le jeu. Mais je pense aussi qu'ils n'ont pas énormément joué non plus. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que quand je joue à un jeu, j'ai tendance à me projeter sur 30 parties... Et je suis pas sûr encore. Ouais. Mais peut-être potentiellement, tu vois, ça peut être un jeu que tu ressors hyper vite avec ta copine ou ton coloc ou quoi. Et ça peut être. Si ça marche bien à deux et que c'est relativement expert, c'est plutôt cool quoi. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, ils sont en 2022, on sait pas trop quand. Super Nipple qui fait la VF, je crois. Ouais, mais même la VO, elle est pas. Ouais, pas annoncée, ok. Ouais, donc. Ouais, c'était sold out très vite à SN et après. Ouais, c'est ça. Après, on sait pas quoi. Ok. Donc, écoute, bientôt, peut-être. On verra.
crois que tu avais parlé aussi de Darwin Journée, qui t'attendait un peu. Ouais, alors Darwin, bah, c'était le Kickstarter un peu en début d'année. On parle encore de Luciani, décidément. Bah, il bosse un peu, les gars, pour une fois. C'est mon obsession. Non, mais ouais, il avait l'air hyper prometteur, puisqu'en gros, ça avait l'air d'être Newton en beaucoup plus interactif, alors, de manière hyper schématique. J'y ai joué. Ouais. On a la chance d'avoir eu un proto un peu quasi définitif. Ouais. C'est très cool. Tu retrouves effectivement du Newton, du barrage, ouais, notamment bah, au niveau du scoring. Hein. Ouais. Qui marche bien, le jeu a l'air beaucoup moins punitif. Il y a des contrats aussi, non c'est ça, ouais. À remplir, donc tu retrouves ce côté-là. Ah, ça, j'adore ce truc-là. C'est ouais. Moins punitif que barrage. Ouais. C'est-à-dire, typiquement, la piste de score, à barrage, tu reviens au début à chaque fois. Ouais. Là, c'est pas le cas. Okay. Une fois que t'as avancé, ouais. C'est cool. Okay. L'interaction est pas folle. Ouais. Pour le coup, tu te gênes pas trop, il y a juste. Arrête de me faire peur avec ce genre de truc. Tu sais que ça me fait peur quand tu dis des trucs comme ça. Une piste de déplacement où tu récupères des bonus, c'est le premier qui passe qui les récupère, donc c'est pas inintéressant. Okay. Mais après, si c'est pas punitif, l'interaction ça me dérange pas du tout, mais j'aime bien pouvoir suivre ce que font les autres, avoir cette incitation. Un système de musée où le premier qui ramène des animaux ou des trucs marque des points en plus, donc t'as un peu la course aussi, donc c'est pas complètement. Non, mais tant que tu suis ce que font les autres, moi ça me va. Après, encore une fois, je pense que jouer à 4 n'apportera pas grand chose. C'est vrai. Downtime, gros downtime Non, mais du coup, le joueur apporte pas spécialement de trucs en plus. On a testé à 3, j'ai beaucoup aimé à 3 et je pense qu'à 2 il marche très bien aussi. Ok. Voilà, pour le coup, donc faudra en faire d'autres pour vérifier. Le système d'action est assez malin. En gros, on va pouvoir améliorer ses scientifiques en leur donnant des compétences supplémentaires. Ah oui, ça j'avais vu, ça avait l'air très cool. Et pour faire différentes actions, il faut que ton mec ait certains sauts, certifications. Ouais, ouais. Donc c'est assez malin, ça marche bien. T'es là toujours là en mode, est-ce que je fais plein de scientifiques un peu doués ou j'en fais un ultra compétent. Voilà, donc pas mal de choix, pas mal de façons de jouer différemment. Ça a l'air de pas mal gérer la thématique, l'ADA est cool. Moi je trouve pas toujours très lisible au niveau de la piste justement de déplacement. Bah, dès que t'as des belles DA, c'est vrai que ça a tendance du coup. Ça revient un peu sur la lisibilité. En gros, t'as un système de déplacement et parfois tu peux cut un peu des passages et tu le vois pas au début. Et je crois que la phrase que j'ai le plus dit pour la partie c'est. Non, j'ai pas vu. Ah, la Marco Polo un peu. Sauf c'est que ça. Marco Polo, le plateau est tellement moche que c'est ultra lisible quand même. Donc... là, c'est moins moche, mais moins lisible du coup. Ouais. Donc voilà, donc très cool. Hâte de mettre la main dessus. Ok, on bah ouais, moi aussi. On va refaire plusieurs de suite. Du coup, 2022, on sait pas trop quand. Les derniers mails Kickstarter étaient hyper flous. Voilà. La magie actuelle. En ce moment, c'est un peu. Ouais, c'est très compliqué. Nostradamus de savoir qu'on va arriver à un jeu. Comme... Moi, j'attends Ibris. Tu vois, pareil, mais. Ok, je connais pas du tout. Ibris, c'est le jeu français par. Aurora Studio. D'accord. Énorme boîte, genre c'est le feu d'homme en termes de. Okay. Sur les dieux grecs qui se mettent sur la gueule. Okay. Ça s'annonce très cool. Okay. Mais alors quand ça arrive. Ouais, ça peut. Ouais, un jour, ce sera cool. Hein. Genre, tu l'oublies, tu arrives un jour par la poste, tu fais hey, cool, un cadeau, tu vois. Et en sortie récente, qui est déjà sortie, t'as joué à Anno. Anno, qui vient de sortir du coup le dernier Wallace qui chauffe pas mal de gens. Bah, déjà, moi on me dit Wallace, j'y vais. Bah, j'y vais au moins voir. Ouais. Tu vois, Wallace, c'est toujours pareil, c'est soit c'est grandiose. Soit c'est un flop complet, parce que le mec est créatif. Ouais. Du coup, tu sais jamais, donc je voulais essayer. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc du coup, je pars vraiment sans a priori là-dessus. Le jeu est cool, ça marche bien, c'est efficace, c'est assez classique, malgré tout, même si pas mal d'interactions. Mécaniquement, c'est quand même la prod de ressources et t'en fais des contrats après. Ouais. Donc ça, c'est pas incroyable. Le truc un peu spécial, c'est la fin de partie, vu qu'elle se déclenche quand un des joueurs a plus de cartes en main. Ouais. Mais ça me faisait peur. Mais tu peux constamment repiocher. Ouais. Du coup, bah, c'est ça. Du coup si personne veut finir la fin de partie, voilà, si personne veut finir, ça peut durer en longueur. Après, dans les faits, quand tu penses que t'es devant, t'as intérêt à aller clôturer assez vite. Après, moi j'en ai fait 5-6 déjà, et je suis pas sûr de vouloir en faire d'autres, tu vois. Genre, je pense qu'il y a vraiment des passages obligés, et du coup, la rejouabilité va pas être ça compliqué, quoi. J'accepte d'y jouer avec plaisir parce que le jeu est cool et marche bien. Ouais. Est-ce que je vais en faire 50 pour voir effectivement le truc? Ça, c'est pas dit. Comment on déchauffe les gens, là, chaque fois qu'on parle d'un jeu. Mais si vous pouvez tester-le, parce que c'est cool, ça marche bien. Il y a des super idées. Et puis, quand c'est des jeux que tu sors tous les 3-4 mois, au final... Voilà, ça suffit d'argent. Voilà, c'est ça. Parce que j'en ai fait 5 en 2 semaines, quoi. C'est ça. Ça dépend vraiment de ton profil, de comment tu joues au même jeu sur une durée de temps courte. Mais typiquement, il n'y aura pas la même survie que Brass ou Projet Gaïa à la maison, quoi. Ça, je le sais. Mais à faire découvrir, c'est cool. Point positif, les règles sont extrêmement simples à prendre en main. Ça a l'air, j'ai vu une vidéo règles, c'est juste tu déplaces des ouvriers, tu crées des choses et tu remplis des contrats sur des cartes. Voilà, c'est mécaniquement, c'est ultra simple, c'est quasiment du familial niveau règles. Ouais. Alors, c'est pas le cas parce que t'as pas mal de choix et de pistes à observer, mais les règles sont impeccables. Les règles sont simples. Ouais, ça c'est cool. Ok, bon, ben parfait. Voilà. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes nos attentes. Il y a peut-être Carnegie aussi en Kickstarter qui traîne. Ouais, moi que j'attendais pas mal.
Et pareil, on sait pas trop quand ça sort, mais moi il y a pas mal de mécaniques, il a l'air très interactif le jeu. Bon, beaucoup de gens l'ont testé déjà sur BGA. Moi je peux pas jouer en non physique, j'ai trop du mal à me projeter sur un jeu. Donc, mais j'avais lu les règles et tout, je m'étais renseigné sur le jeu. Pareil, on sait pas trop quand ça sort, ça devait sortir cette année. Mais le matos a l'air très cool, la DA c'est O'Toole, le fameux qui design à peu près la moitié des jeux en ce moment, moi j'aime beaucoup. Bah, O'Toole, moi j'aime beaucoup, je trouve toujours que ses plateaux sont pas toujours très très lisibles. Bah là ça a l'air, et la thématique j'aime bien. Les covers sont toujours folles. Et il y a l'air d'avoir une interaction vraiment hyper intéressante entre le choix des actions que tu lances pour tout le monde, le plateau principal, où t'as vraiment une bagarre a priori sur les comptoirs de gare je crois, sur lequel tu dois te placer en premier et tout. Donc ça a l'air vraiment intéressant, un chemin à faire. Voilà. Moi je suis très chaud dessus là. À noter que le jeu est en démo du coup sur BGA pour ceux qui veulent. Ouais, il est toujours en démo. Ouais, je crois qu'il était en bêta. Ouais, du coup il peut être testé. Okay. Après, sur une première en ligne sans les règles. Chaud. Ouais, il faut quelqu'un pour expliquer ça. Carrément. Ouais, carrément. Mais ouais, donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce qui devait arriver et qu'on attendait. Carrément, on espère avoir pas été trop long encore une fois. Sûrement que si. Sûrement. Mais voilà. Donc on vous fait des bisous et puis. Ouais. Et à la prochaine du coup. Ça marche, bonne soirée. Allez, salut, ciao. Pas. On sait pas quand vous allez voir la vidéo, on n'a aucune idée.